Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde a la forme. J'ai un peu la coupe là. Je fasse quelque chose. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, on commence pas comme d'habitude. D'habitude, je commence toujours par vous montrer quand je démonte. Mais aujourd'hui, je voulais pas faire la vidéo et je décide quand même de la faire pour vous. Donc, voilà le chantier. Pourquoi je voulais pas faire la vidéo? Parce que je me suis dit, je vais pas refaire de nouveau un démontage, machin et tout. Et au final, on a changement de programme. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que la voiture, ils veulent la passer peut-être en stage 3, éventuellement. Et pour la passer en stage 3, les pistons d'origine, ils sont un peu faibles. Et donc on a décidé qu'on allait le passer en forgé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, ça peut quand même être une vidéo intéressante. Donc là, maintenant, j'ai déjà démonté tout, hein. Donc la voiture, vous la connaissez. Hein. Vous savez laquelle c'est. J'ai démonté la culasse, j'ai contrôlé, tout est bon, tout est ok, le turbo il a été fait, le turbo envoie il est neuf. Hein. Donc là tout est neuf. Par contre maintenant le truc qu'il y a, ce que j'ai vu qui me plaît pas du tout, c'est quand on regarde dedans en bas, on voit carrément. En fait, je vais vous montrer ça, attends, on va prendre un tournevis parce que là j'y arriverai pas. En fait là où moi ça me plaît pas du tout, c'est ça là. Là. Là je mets le tournevis dedans, il reste carrément dedans. Donc là il y a carrément. On voit carrément le segment. Et quand on pousse le piston, on voit que ça bouge quoi. Donc là c'est identique pareil. Hein. Et ça me plaît pas du tout. Et c'est les côtes d'origine de chez Volkswagen. Ils mettent exprès des côtes larges. C'est-à-dire que c'est pour ça que tous les VAG, tout le groupe Volkswagen, que ce soit du TDI, du. Enfin surtout les essences, les TDI ça va encore, les TDI ils ont respecté le truc, mais les essences, surtout les 2 litres, ils ont mis exprès la côte énorme. Alors j'en ai déjà fait un hein, chez Volkswagen, chez Audi, j'étais chez eux-mêmes pour en refaire un. Hein. Et quand je suis monté là-haut et je leur ai demandé, j'ai dit mais pourquoi est-ce qu'ils font des côtes tellement énormes? Alors qu'à l'époque ils avaient quasiment pas de jeu et maintenant il y a un jeu de ouf quoi. Et là on voit vraiment que le jeu c'est. C'est pas normal quoi. Donc du coup, je leur ai posé la question, ils m'ont dit, c'est les cotes qui donnent d'origine, en fait c'est pour les émissions de CO2, pour la consommation, plus il y a de jeu, c'est comme un moteur mort. Donc un moteur mort, qu'est-ce qu'il a? Il n'a plus de frottement, il n'y a plus de segment. Il faut que je me mouche. Il n'y a plus de frottement, j'ai les oreilles bouchées là, avec cette otite que je me suis chopée là. Donc il n'y a plus de frottement vu que c'est un moteur mort, enfin comme un moteur mort, donc moins de frottement. Moins de carburant à nourrir pour pouvoir avancer quoi. Donc forcément le moteur il tourne plus libre, mais par contre ça engendre des autres problèmes. C'est une consommation excessive d'huile et c'est là où eux ils disent après oui la consommation d'huile de 1 litre pour 100 km là c'est normal, blablabla. Mais non c'est pas normal. Alors ce qu'on va faire avec ce bloc là, c'est ce que moi je vais conseiller. J'ai dit on le prend, on le sort de là-dedans, on lui passe un coup d'alésage, on le passe en forgé, piston forgé, le jeu on met le jeu minimum qu'il faut mettre, je sais plus comment c'était là, de 150 ou 200 là qu'il fallait mettre. Il y a quasiment rien à faire au jeu, c'est-à-dire qu'il y aura quasiment plus de jeu dans les pistons. Donc du coup plus de consommation d'huile, cylindre étanche, consommation de carburant en plus, j'y crois pas parce que c'est un peu des conneries, puisque à l'époque ils faisaient ça normalement et sur les diesels aussi et ça marche très bien. Et donc du coup là il pourra passer en stage 3 s'il veut, mettre un turbo encore plus gros et mettre encore plus et lui envoyer encore plus dans la gueule quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire la vidéo. Donc là je sors le moteur il est presque dehors, là je vais le poser par terre. Là il reste plus rien, il reste une vis et puis il est dehors. Et je vous ferai l'évolution de où est-ce que je vais faire le bloc et comment que ça va se passer. Je me suis dit c'est quand même peut-être intéressant pour vous. Allez hop, on arrête de parler. Ouais, pourquoi j'ai pas sorti la boîte, je sais pas. Moi j'aime bien faire ça comme ça. Après peut-être que je suis un peu fou, mais j'aime bien. Maintenant c'est fait, il est dehors. On va remettre ça à sa place. Ça traîne pas par terre. Il n'y a pas de merde qui rentre dedans. Voilà. Bon, là il est cet engin. Maintenant, dépouillage de ce truc.
dépouillage de ça. Et on va pouvoir voir ce qui se passe. C'est incroyable. C'est incroyable le jeu qu'il y a. Bon, je vais démonter tout ce truc là. Je vais sortir le volant moteur, tout ce qu'il y a à démonter. Je vais déjà sortir les pistons, tout ça. Et ensuite, on va le ramener chez quelqu'un qui va faire ça. Aux petits oignons. Bon, je sais plus où on est resté. Donc là, vous voyez la suite. Mais il y a eu novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, il y a eu presque 8 mois jusqu'à ce que je récupère ça que j'ai envoyé à faire. Je vais vous montrer ça que j'ai envoyé à faire refaire vu qu'il avait un souci de tout neuf, alésé. Donc il a été alésé complètement. Donc les cylindres sont neufs, les pistons sont plus gros. Ça. Avec ça. Haha. Et des Vosner. Donc là on va pouvoir tout remonter. Là, on va pouvoir tout remettre dedans. Là il n'y a plus de jeu par contre. Non, le jeu il est minime. Là, il n'y aura plus de casse de bielle, plus de casse de piston, plus de casse de je sais pas quoi. Ça, ça cassera jamais de la vie. Et puis là maintenant si on prend bien ça et on met ça à côté, on voit bien. Je vais essayer de montrer ça. Là on voit bien la différence de largeur. Bon les bielles, ils n'avaient pas posé problème. Hein. C'est pas le problème des bielles. Je suis plein de poils de chien, de chat. À cause de lui. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Il est venu voir. On va lui faire sentir ça. Tiens. Il veut pas. C'est pas du BM, il veut pas. Regarde, c'est quoi ça? Bon, ben là, on va pouvoir remonter tout le bloc parce qu'il est complètement nu. Donc, il n'y a plus de graisseur, il n'y a plus rien dedans. Là, on voit, il est complètement nu. Il est propre, il a été passé à la vache machine, à la machine à laver là. Donc là, je vais m'amuser à le remonter ce matin et mettre le vilo dedans, mettre les pistons, donc mettre ça dedans, des coussinets de bielle, coussinets de vilo, coussinets de bielle, on a dû renforcer, les arbres d'équilibrage à remettre dedans qui ont été démontés. Donc là, on a un peu de quoi faire, quoi. Donc on va remonter tout ça, remettre tout ça en place. La voiture qui devrait pas tarder à venir, comme ça on va lui remettre son moteur dedans. Je remonterai la culasse après une fois dans la voiture. Parce que j'ai pas démonté la boîte. Je sais, on va me dire pourquoi j'ai pas sorti tout. Bref, je l'ai fait comme ça parce que je pensais pas devoir démonter le bas moteur. Je pensais que c'était un problème de culasse. Elle avait un problème de consommation d'huile à la base, je sais pas si vous vous souvenez. Donc du coup, après avoir démonté la culasse, j'ai vu qu'il y avait rien. Alors je me suis dit, bon, ça doit venir d'en bas. Et du coup, après, ben, j'ai dévissé en dessous je voulais enlever les pistons. Donc on peut pas les enlever sans enlever le demi-carter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dévissé les deux vis qui tenaient le bloc du côté et je l'ai sorti. Pour contrôler et puis en final ben, la boîte elle est restée dedans donc maintenant du coup ben, elle restera dedans jusqu'à ce que qu'elle soit remontée. Donc, je mettrai le bloc dedans et vous allez le voir et ensuite je remettrai les comment ça s'appelle la culasse dessus. Et là les parois sont vraiment pas épaisses hein.
Allez hop, on arrête de parler. Le chat, il jette un œil, tout est ok. Bon, allez, on laisse tranquille le pauvre. Semblant de serrer la main. Bon, pour tous les fanatiques là, des clés cliquées et tout ça avec couple serrage, je fais quand même semblant pour vous. Mais pourquoi il a pas fait forger la première fois? Franchement, je sais pas, je comprends pas ça. Je suis déjà en train d'écrire dans les commentaires là. Après, c'est un peu comme si j'allais vous dire pourquoi vous n'avez pas marié tout de suite la bonne femme et vous avez divorcé pour vous remarier. Dans ce cas-là, fallait pas marier la première, fallait marier la deuxième tout de suite. Ouais, le couple de serrage des vis, j'aimerais bien le savoir. Voilà, vous avez qu'à faire arrêt sur image et vous voyez le couple. C'est pour serrer le vilo en bas. Et à quoi ils servent les vis là? Si quelqu'un sait me répondre dans les commentaires. Là, 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 elles tiennent ça avec là. S'il y a des bons mécanos et on pourra me le dire. J'attends la réponse. Ta mère qui vont t'insulter. Tout qui tombe déjà. J'ai remis le vieux tendeur. Mais non, c'est pas vrai, il est neuf. Celui-là, il est vieux. Celui-là, il est neuf. Celui-là, il est neuf. Faut pas tout mettre neuf non plus. Hein. Non, t'as vu qu'il vient pas, il s'est venu. Juste pour l'équilibrage, on va quand même regarder. ...121,4 ...121,3. Donc 0,1 g de différence entre un et l'autre. Donc là je pense que niveau vibration il n'y aura pas grand chose. Bon, je redis bon. Là, il n'y a pas de jeu, là. Viens voir le truc. Là, quand on le bouge, ça n'avait pas cloc, 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 comme ça faisait avant sur l'autre, là. Comme les origines, là, où on voyait carrément le segment à travers
À travers le piston, vous voyez le segment, là, on voit plus rien du tout. Là, c'est étanche. Au moins, là, quand ça va exploser au-dessus, ça va pousser direct sur le piston et comme il faut. Et ça passera pas à travers le segment et ça consomme 30 litres d'huile comme toutes les Volkswagen qui font aujourd'hui. Comme ça, c'est beau au moins. C'est là sans serrer, hein, je te le dis. Putain. Tu t'es jamais pas tourné la main. Mais t'as la chaîne et tout, hein. Mais je sais. Laisse-le comme ça, là, sur lui. La chaîne, elle est à sec, hein. C'est pour ça aussi, ça force, hein. Comme j'avais fait sur la vidéo TikTok où les gens ils ont critiqué, ils ont dit on n'arrive pas à tourner un moteur à la main. Alors évidemment, je vais vous le montrer maintenant en live avec le moteur ouvert. Quand le moteur il est comme ça, là on arrive à tourner. Comme ça. Mais à partir du moment où ils arrivent tous les quatre à bouger, là j'arrive plus. Donc comment je fais, je le mettais toujours sur le point où c'était mou. Et là où il n'y a pas de compression, il n'y a rien, je faisais juste comme ça. Mais une fois que les quatre ils bougent en même temps et qu'ils sont comme ça, ça va plus. C'est laquelle j'ai serré maintenant Et celle-là, elle sert à l'église. Mais je fais ça pour moi. Elle n'est pas thérapée, c'est une petite d'eau. Ça tourne à la main, si ça tourne pas à la main c'est pas bon. Allez hop, la pompe à huile. Nouvelle journée. Nouvelle journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le bloc dedans. Donc là, il y a le bloc dedans. Je resserre le démarreur. Et ensuite, on va remettre la culasse. On attend juste des pièces encore. Il manque le joint là, du turbo derrière. Le gars qui a nettoyé la culasse, il avait le joint dessus, il l'a jeté. Il a dit, c'est pas grave, on le change. Le joint, il l'avait même pas à 20 bornes. Mais bon, maintenant, on est nouveau embêté. Parce qu'il y a des gens qui décident, eux, de ce que nous, on doit faire. Zo, on va resserrer tout ça. Et on préparait la culasse pour la poser. Mais d'abord, il faut le joint. Bye.
Qu'est-ce qui manque? Il manque un truc là. La culasse. Des ballons, la culasse. Pourquoi ça s'appelle une culasse? C'est un peu bizarre comme nom, non? Ah, un cylindre noir. Tout noir. Je pense que c'était celui-là qui avait un petit problème. Petit problème de consommation d'huile. Bon, là, on voit, c'est propre. Hein. Elle a été rectifiée. Enfin, rectifiée. Planifiée. Parce que rectifier, c'est enlever de la matière. Là, on ne va pas enlever grand-chose. Si, quand ils planifient, ils enlèvent un peu aussi. Mais c'est pas le but de la manœuvre. Vu que sur les moteurs turbo, il faut pas trop enlever. Bon, on va chercher le joint de... Le joint de culasse. On va le foutre sur le bloc là. Il traîne là. Toujours de l'origine. Toujours de la pièce d'origine. On va le jeter sur le bloc moteur là. On passe un coup avec la main là. Alors, dans quel sens il va ce truc? Moi, je dirais comme ça. Ah ah! Il n'y a pas de centrage là-dessus. Bizarre ça. Je m'en souviens plus. Non. Mais normalement, les pions de centrage, ils sont là. Et là, eh ben, il manque! Bon, je peux pas continuer, j'ai pas les pions de centrage, j'ai pas pu continuer, j'ai pas le joint d'échappement, je peux pas continuer, il y a pas si, parce que cet Allemand qui a fait le bloc, il ne comprend rien. Lui, s'il me regarde, il ne comprend rien. Ce ch... Putain de bordel de merde, chaque fois qu'il me donne une culasse, il me dit Marneuil, mets neuf. Je mets neuf si j'ai envie de mettre neuf. Quand tu fais un bloc moteur, tu me rends mes pièces, si tu m'écoutes. Meine Teil, bitte. Je vais pas faire de la pub pour lui parce que ça m'énerve. Je vais attendre qu'il rentre de vacances parce qu'il est en vacances, évidemment. Quand je lui écris, je lui demande où il a mis les trucs. Il me dit je peux pas écrire, je peux pas téléphoner, il faut que tu m'écris, je suis en vacances. Mais quand il rentre de vacances, je vais lui tirer les oreilles. Il aura même un éléphant, il aura les oreilles moins longues. C'est pas possible, on peut pas travailler avec personne aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas forgé la première fois. Si maintenant il y en a un dans les commentaires qui ose me demander mais pourquoi vous l'avez pas fait la première fois, blablabla. C'est parce qu'on voulait pas traîner le bloc pendant 6 mois à démonter. Parce qu'on sait quand on demande quelque chose à quelqu'un, c'est toujours la même chose. Là j'ai démonté dans la même journée, j'ai remonté dans la même journée. Là il me faut 6 mois, il manque des trucs et machin. Et le bloc il est parti, il a enlevé les pions de centrage et ci et ça. Bref, on perd du temps et moi on perd du temps, c'est pas mon truc. Je vis pas 1500 ans, donc il faut pas que je perde du temps. Mais bon, bref, là maintenant j'attends que le propriétaire du véhicule me ramène des nouveaux, s'il en a à la maison. Ce serait bizarre qu'il en ait à la maison, mais bon. Allez hop, on attend. On attend, jusqu'à ce que je tire les oreilles à l'allemand. Fais une pause. On est obligé de manger. Maintenant il nous manque encore les autres trucs de l'usineur là. Usineur de, je sais pas, il doit boire de la Jack Daniels à 6h le matin déjà. Je sais pas, le cerveau, il en a plus trop, il a oublié les pattes qui tiennent les... sur leur culasse. Donc on attend une voiture pour comparer. Hop. Et hop. Neuf. Schön gemacht. Wie genau. Putain, on a oublié de mettre le joint de culasse. Putain! Mais non, c'est pas vrai. Arrête! Il rigole, mais on a fait la même chose avec la pompe à huile. Putain, on a oublié de joindre la pompe à huile. Il n'y en a pas. Non, il n'y en avait pas. Je jure, il n'y en a pas. Il faut les placer les trucs, attends. Ah putain ouais, t'as les variocam de merde. Oui, il faut les placer. Il faut les pousser. Voilà, comme ça. Il faut qu'ils passent. Là.
celui-là, il est presque bon. Non, celui-là n'est pas bon. Il est pas bon. Celui-là, il est... non, il est bon. Voilà, hop là. Là, il est bon, ouais. Voilà, voilà. Comme ça. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. On n'aurait pas dû humilier, peut-être. Oh, bah, propre, si, je vais remettre là. Après, attends. En deuxième. Next. Voilà. Mais pas trop, parce que ça déborde pas partout. La chaîne est à l'envers. Je pense que c'est avant de l'allemand à l'autre. Ça, ça doit être de l'autre côté. À mon avis, elle a un sens. Si on la met dans le sens là, ça va pas marcher longtemps. Alors je vais tout ressortir. Voilà, là on est sur le PMH. Quelle marque ça, merde. Là. Tu vas voir toi? Ouais, là on est juste. Sur de toi? Ouais, attends, une seconde. Ah. Maintenant il faut faire. En bas c'est bon alors. Ouais. Et en haut, donc maintenant il faut regarder le repère en haut, c'est. Le point il est là où il y a le rouge, là j'avais mis du rouge dessus. Là. Là, il est dessus. Donc là, maintenant, ça, je vais pouvoir le mettre dessus. Et ensuite, il faut pouvoir mettre celui-là, là, maintenant, aussi à sa place. Alors, attends. Attends, je tiens la marge. Elle est où? La marque, elle est là où il y a le rouge, attends. Il n'y a pas de rouge. Où, rouge. Si, il... là. Ah, il casse les couilles. Là-bas, il est là. La marque sur celle-ci, elle est là. Là. Là, là, voilà. Ouais. Et maintenant, ça, tu peux le rentrer dedans. Hop, hop, là, tu fais de la place ici. Tu fais ça. Et non, maintenant, tu faut que contrôle tous les trois maintenant. Maintenant, on contrôle ouais. Tous les trois si c'est bon. Éclaire voir là-haut. Là, on est bien. Il y a pas d'éclairage là. Là, on est dessus, sur le point. Là, on est sur le point. Et en bas, le dernier. C'est le dernier, il est dessus. Ouais, le dernier, il est dessus aussi, c'est bon. Okay. On va voir mec, il y a un œuf. Un œuf, bœuf. Voilà, celui-là on va le mettre dessus comme ça. Ça peut plus se barrer. On a vu là. Mais non, c'est très bien. Non, c'est nul. Nouvelle journée. J'ai jamais travaillé aussi longtemps sur un moteur. Tout ça à cause des pièces qui manquent et des conneries à droite à gauche. Bon là, on voit. On a nettoyé un peu tous les plans de joint, tout est fait. On va remettre la pâte.
Alors on voit bien le système de, comment ça s'appelle, de district qui décale là. Donc en fait les cams là-dessus, elles bougent. Et là on voit bien qu'il y a une cam ici et une cam là. En fait il y en a deux, il y en a une qui est moins haute, donc la levée de soupape elle change. Donc là on voit bien il y a la grande et là il y a la petite. Lorsqu'on démarre, on voit qu'on est sur la petite. Une fois qu'on a mis le contact et qu'on arrive à un certain régime, il y a une pièce qui rentre là-dedans. Donc c'est ça. C'est les petits trucs qu'il y a derrière, là, tous les machins qui sont derrière là, ça là. Eux ils rentrent dedans et ils poussent la cam latéralement. Voilà, j'arrive pas à le faire à la main. Voilà, ils la poussent en fait comme ça, tac, voilà. Et là on est sur la grande levée en fait. Donc là on est maintenant sur une grande levée. Donc je vais le remettre comme il était. Tac, là il est sur la petite levée. Ça modifie l'ouverture des soupapes. Ensuite il y a ça. Ça et ça. Ça, ça modifie l'avance. Comme les Vanos chez BM. Donc en fait ce moteur là c'est un peu comme un VTEC. Bon un VTEC ils les ont fait il y a 30 ans. Mais c'est un peu la même chose et c'est pour ça que ces moteurs là ils marchent. Parce qu'ils n'ont pas de cylindrée vraiment. 2 litres c'est pas vraiment énorme. Ils ont techniquement beaucoup de choses, c'est-à-dire lever des soupapes qui changent, clapper dans le collecteur d'admission, donc là on voit les clapper dedans. Donc on voit ça modifie l'ouverture, donc évidemment plus c'est fin, plus ça va charger tôt, plus c'est gros, plus c'est pour le haut régime. Lever des soupapes, distri variable, enfin électroniquement il y a pas mal de choses. Turbo, électronique qui charge très tôt. Et après, c'est sûr que quand il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de problèmes aussi. Bon, allez, on va essayer de remonter le cache-culbuteur. Donc le cache-culbuteur, il sera remis dessus. Les arabacams sont fixes. Je peux pouvoir refermer tout ce qui est latéral, là. Et on va essayer de remettre injecteur, pipe d'admission. Et une fois que tout ça sera en place, qu'on aura rebranché un peu tous les tuyaux, et qu'on aura enlevé toutes les fiches techniques, et ben, on va pouvoir voir s'il tourne, et si j'arrive à le faire tourner aujourd'hui. Ça serait pas mal. Quand je vois la forme du cache-culbuteur là, ça me fait penser à un moteur Honda, un 250 CR. Il a exactement la même forme comme ça. Ça me fait penser à un moteur japonais, pas un moteur allemand. Et n'oubliez pas de vous abonner là, cliquez, tic, abonner. Comme ça j'ai plus de choses à prévoir si jamais on fait ça. J'ai oublié ça. Bon, là, on voit bien la pâte à joint. Hein. Ça déborde un peu. Mais c'est inutile de mettre comme un porc et de faire déborder un klotz comme ça qui va rentrer dans le moteur et qui va boucher la crépine après en bas. Bon, là, ce qu'on peut faire maintenant, les repères distri sont toujours bons. Ils n'ont pas bougé. Celui-là d'en bas, il est aussi bon. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est retirer ça. Tac. Et là, la tension de la courroie, de la chaîne, elle est bonne. Donc là, maintenant, normalement, si je contrôle bien, le moteur est plus tourné, je vais voir le faire. Les bougies, ils sont pas dedans. Je sais pas où ils sont, faut que je demande voir. Les bougies, je les ai pas. Peut-être c'est le prochain truc qui va manquer, c'est les bougies. Ben, je vais l'appeler tout de suite. Nix que ça rate, il a tout acheté neuf le jeune. Il est bon quand même. Hein. Bon, on va remettre les bougies dedans. Toutes les bougies à la place. On va voir si ça tourne et c'est de la compression. On va d'abord contrôler si c'est bien une 16. C'est ça. Allez, on sert les 4 bougies et on contrôle. Va-t-il bloquer? On va déjà essayer de tourner pour voir ce qu'il dit. Bon,
Bon, ça tourne, mais la compression, elle est pas top. Hein. Après, c'est normal, il y a tout qui vient d'être remonté. Je pense qu'il y a un coup de démarreur, et quand il aura une fois explosé là-dedans, je pense qu'il y aura tout qui sera plus propre, qui sera plus étanche, tout qui sera mis en place. Là, il y a les poussoirs, tout qui sont secs et tout, donc c'est pas le top, quoi. Bon, on va continuer à remonter. Je pense que le carter du bas, je vais mettre. Carter du bas, une fois que j'ai mis le carter du bas, comme ça, il a le temps de sécher. C'est pour le mettre à la pâte. Remonter tout ça. Donc, tout ce qui est pompe machin, là, comment ça s'appelle, pompe à essence. Une fois que j'aurai fait la pompe à essence, je vais faire tout ce qui est distribution en haut, là, tout ce qui est là. Et ensuite, ben, on va attaquer la partie de devant. Hein. Donc, les injecteurs qui sont passés dans le bac à ultrasons. Qui étaient dans le bac à ultrasons pour bien les nettoyer. Bon, ils sont neufs, on les avait fait la dernière fois, donc on n'a pas besoin de les rechanger. Et puis voilà. Allez hop, on va faire le carter en bas. Il faut la... Le tournevis, je l'ai posé où ?
Tu l'as mis là-bas. Là-bas. Ça, j'aime bien ça. Là. Et qu'est-ce que c'est ça? Tombe par terre, c'est pas grave. Oh, j'ai entendu par terre. Là-bas, ouais, il est. Ouais, il est par terre. Attends, tu sais quoi, je vais prendre une autre clé. Ah ouais. Elle faut pas être alcoolique, là. Il filme ça? Ouais. Ah, pour les alcooliques qui trempent, c'est pas bien. Le buveur de Jack. Le buveur de Jack Daniels. Ceci n'est pas une publicité. Bon, j'ai oublié un tuyau. C'est tout là-haut. Alors on va le voir, là. Je sais pas si on va le voir sur la caméra, mais bon, je vais essayer de vous le montrer. Si la lampe, elle aime bien rester accrochée. J'ai réussi à le mettre. Donc sur la vis qui est tout là-haut au fond, là-bas derrière, là-bas. Je vais vous montrer ça. Ici, là. Là. Tuyau de flotte du turbo, j'ai oublié de le mettre. Putain, je viens de galérer à mettre la vis. Donc là, l'admission, c'est remonté. Je vais remettre encore le tuyau de flotte, là. Et ensuite, on va pouvoir... faire tourner. Il y a des beaux freins là-dessus, hein. Monter sur bol et tout, hein. On y arrive tout doucement. Bon, tout est plus ou moins remonté. Il y a de l'huile dans le moteur, il n'y a pas d'eau. De l'eau, j'en veux pas. Tant qu'il n'a pas démarré, je me perds d'eau. Sinon après, ça salope tout le garage s'il faut redémonter un truc. Là, tout est plus ou moins en place. Je garde le suspense. D'abord, je vais aller manger maintenant. C'est l'heure d'aller manger. Je vais aller manger un truc. Et comme ça, après manger, je peux essayer. Comme ça, si jamais ça démarre pas et ça fait de la merde, je peux juste vomir ce que j'ai mangé. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça fasse de la merde. Normalement, je devrais rien avoir oublié. Allez, hop. Bon, on va déjà regarder si le moteur il tourne. Donc on va débrancher déjà toutes les bobines. On va débrancher toutes les bobines, les quatre. Comme ça, le moteur, il démarre pas. On va déjà tourner la clé. Comme ça fera ramener déjà la pression d'huile au culbuteur et tout. Enfin, tout le moteur complet. Jusqu'à ce que la pression d'huile soit en haut. Une fois que la pression d'huile est en haut, on rebranchera les bobines pour voir. Allez hop, on va faire tourner ce moteur. Ça tourne. C'est déjà pas mal, hein. On va laisser monter un petit peu en température, que la pression d'huile elle arrive en haut. Regardez qu'il n'y a pas de problème de pression d'huile, surtout ça c'est très important. Bon là on entend le régime moteur, il est descendu, hein. Pour l'instant ça tourne. Ça fait toujours peur quand on refait un moteur comme ça.
Zo, ça tourne. Bon, on va remettre tous les tuyaux de radiateur d'air, tout ce qui est dans le circuit d'alimentation de turbo. On va tout rebrancher, tout remettre en place. On va remettre aussi radiateur de ventilateur, je veux dire. Je vais remonter tout ça, ça je vais pas le filmer parce que ça sert à rien. Et une fois que tout sera fini, je remonte encore le passage de roue que je dois mettre encore du côté là, où je vais tout enlever là, ici, derrière les gros freins là. Et ensuite, on va la descendre par terre, on va remettre les roues dessus, on va la foutre par terre et puis on va voir si elle se déplace. Mais normalement oui. Et ensuite, ce sera le moment de brancher l'ordinateur et de voir s'il n'y a pas d'autres défauts dedans. Mais elle a l'air de tourner quand même relativement propre. Et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez hop, je vous laisse, je continue. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ce sera pas fini. Hein. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous mettre à l'envers. Alors, je ne sais pas si vous voyez là-bas dessus au fond. Mais sur le bloc, au fond, là-bas, il y a de l'eau qui coule. Donc là, on voit. Il est plein d'eau, le bloc. Je vais mettre ça comme ça. Donc là-bas, il y a de l'eau qui coule sur le bloc. On le voit là-bas. Ça vient de la pompe à eau de merde en plastique. C'est super, aujourd'hui il faut tout en plastique. Donc plastique c'est fantastique. Donc pour refaire la pompe à eau, il faut enlever de nouveau tout ça, compléter de nouveau tout, compléter, enlever pour pouvoir accéder à la pompe à eau. Bon, c'est pas dramatique, mais là aujourd'hui je pourrais plus terminer. Donc c'est une vidéo qui aurait été faite en, pour vous en une fois, mais pour moi en 50 fois sans frais. En tout cas elle tourne bien, elle tourne propre. Donc là maintenant il y a juste à voir pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire de fuite là? Alors je pense que c'est le plastique qui est pété ou... Je sais pas, ce sont ces trucs là, c'est vraiment tellement con. Donc là, évitez de remonter tout. Et puis voilà, on va essayer. Allez hop. La fuite. C'était le tunnel qu'il y a là en dessous dedans là, entre les deux pièces là. Il était un peu de travers. L'espèce de tube de merde là, qui était un peu de travers. Il était pas à sa place. Et puis il goûtait. Pêche. Donc on a tout démonté pour... Enfin pour rien, pas pour rien, mais on l'a remis à sa place. Ça fuit plus. Ça fuit plus. Un pauvre joint qui était de travers, franchement. On n'est jamais dedans. En mécanique, on peut jamais être à 100% dedans. Tout est remonté. J'ai remis le ventilateur. J'ai regardé les codes défauts, il n'y a plus rien. Donc là maintenant je laisse sécher la pâte que j'ai foutue partout avant de la faire tourner. Et demain matin, je la fais tourner un peu. S'il n'y a plus de fuite d'eau, plus de fuite d'huile, plus rien, et ben on va remonter les 2-3 caches qui restent. Lui là, par exemple. Lui on va le glisser là-haut dedans. Et à partir du moment où lui il sera dedans et que la voiture elle roule, on va pouvoir remettre le filtre à air et aller faire un essai routier. Donc on verra bien ce que ça donne. Apparemment, elle a l'air de tourner propre. Elle tourne bien. Maintenant, il ne restera plus que l'essai routier. Je vous passe l'essai du montage des caches là. Et n'oubliez pas de vous abonner. Clique. Peut-être que je ne mérite pas, je sais pas. Il n'y a personne qui me répond à ça en fait. Bon. La Seat, ça roule. Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de voyant. Il n'y a plus de perte d'eau. Il n'y a plus de perte d'huile. Tout est ok, tout est bon, toutes les valeurs sont bonnes, les valeurs de chaîne, les valeurs, tout ce qu'il y a à essayer, tout est bon. Donc là par contre il n'y aura pas d'essai routier parce que le véhicule il est en rodage évidemment, maintenant on est obligé de le faire puisqu'il y a un peu piston neuf, bielle neuve et tout. Et puis on fera peut-être une vidéo, je ferai un short ou quelque chose le jour où elle aura fait quelques kilomètres qu'on pourra mettre gaz. Ciao à tout le monde, gardez la forme et bon week-end à vous et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.